Bien manger, cela signifie manger à sa faim, être rassasié, mais également manger de bonnes et belles choses, des aliments de qualité en toute convivialité. Le HPAD et le péricat, situé à Sabre, met l'accent au quotidien sur le bien manger des résidents. La journée de l'alimentation du 16 juin 2015 nous a donné l'opportunité d'expliciter la complexion des repas, de l'approvisionnement des denrées jusqu'au service à l'assiette, tout en tenant compte des contraintes d'hygiène alimentaire et aussi, surtout, le plus important, de la vie des résidents. De nombreuses études montrent que nous construisons notre santé avec notre alimentation. Il est donc important d'accorder une place de choix à une alimentation variée et équilibrée. Une commission de menus diligentée par une diététicienne, le médecin coordonnateur, le personnel médical, les cuisiniers, des résidents et le service animation permet d'échanger sur certains menus. Ils établissent en collaboration les menus en fonction des saisons et les adaptent selon les pathologies des résidents. Les menus sont soumis à une réglementation stricte sur la fréquence des plats à servir. Une entrée, tel grammage, pour une viande, telle quantité. Ça nous permet en fait d'être sûr de couvrir les besoins nutritionnels de la personne âgée et ça nous permet aussi de maîtriser les quantités en cuisine pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. C'est cette grille-là qui me permet de contrôler les fréquences du menu. Par exemple, je ne peux pas servir de la charcuterie 10 fois dans le mois. Les différents fournisseurs livrent leurs produits 2 fois par semaine. Le conditionnement se fait en suivant par catégorie, dans un ordre bien défini. Le surgelé, le frais et les produits secs. Chaque matinée est consacrée à la préparation des repas du midi et du soir. Les cuisiniers se répartissent les plats à préparer. Un plat témoin est gardé chaque jour pour des analyses microbiologiques. La base des produits que l'on reçoit en viande ou en légumes sont surgelés. Mais par contre, nous faisons toutes les cuissons et toutes les améliorations de recettes. Le menu qu'on a préparé aujourd'hui, donc c'est le potage, l'entrée qui est des artichauts à la Provence, une mousse d'artichauts à la provençale, un hachis parmentier de lapin aux petits légumes et pour terminer un fromage blanc au coulis de fruits rouges. Alors on a monté des fonds d'artichauts avec des blancs en neige et incorporé des petits légumes cuits à la provençale. On va le dresser dans une petite verrine, mettre au frais et ça par contre ce sera servi immédiatement dans l'heure qui suit. Tous les jours nous gardons un échantillon de nos préparations, toutes nos préparations, de manière à faire une analyse si jamais nous avons un problème de contamination. La commission des menus diligentée par la diététicienne propose pour les jours fériés un menu amélioré ou à thème, comme le repas traditionnel landais. Chaque jour, l'animatrice du péricat affiche le menu et informe les résidents de la citation et la fête du jour. À la fin de chaque mois, une attention particulière est prêtée pour les résidents qui fêtent leur anniversaire. Dans une démarche hôtelière, le HPAD du péricat a préconisé le service à l'assiette, ce qui permet d'adapter plus facilement le repas à la pathologie du résident. Comme vous pouvez le constater, la cuisine traditionnelle n'est plus de rigueur à l'établissement. Malgré cela, grâce aux efforts de l'ensemble du personnel, nous faisons tout notre possible afin de satisfaire tous nos résidents. Ce reportage rappelle l'importance de bien manger et attire l'attention des professionnels de santé, du grand public, comme les usagers, les associations, les familles, ainsi que les décideurs tels que l'Agence régionale de santé, sur l'importance de l'alimentation-nutrition en établissement de santé. Il permet aussi de mettre en lumière les métiers liés à la restauration et à l'alimentation en établissement, ainsi que leurs contraintes, le plan de maîtrise de santé, la certification de la Haute Autorité de Santé, la démarche qualité et le coût des repas. Le reportage montre aussi l'étroite collaboration entre les responsables d'établissement, les médecins, les équipes de soins, les diététiciens et les équipes de restauration. Le 16 juin 2015, certains établissements proposeront à leurs résidents un menu commun. Le HP et le péricat de Sabre s'y est engagé afin de valoriser les bonnes pratiques d'accompagnement autour des repas.